Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du calme, du câble ultime. En fait, j'étais sur internet et j'ai vu ce produit, je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça. Parce que, en fait, alors moi, j'ai des téléphones Android, bien évidemment, avec connectique USB type C, normal. Bon, j'ai également un iPhone, l'ancien iPhone avec l'ancienne connectique Lightning. Ok. Bon, à savoir que les nouveaux ont plus, mais les AirPods ont toujours. Enfin bon. Apple, voilà. Et j'ai toujours quelques devices qui fonctionnent en micro USB. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Par exemple, mon casque Bose QC35, encore une vieille connectique à la con en micro USB. Donc j'ai toujours besoin, des fois, de trouver, ah non, cette connectique machin, il faut que je trouve des câbles. Donc je me suis dit, un câble tout en main, c'est bien. Après, le problème, c'est que même avec tous les chargeurs que j'ai, bah, tu mets trois câbles en attendant, au cas où, bah, ça te laisse trois câbles dégueulasses enroulés autour de ton bureau, comme ça. Dont la moitié tu te sers pas tout le temps et tout, donc voilà, quand j'ai trouvé ce produit là je me suis dit c'était lui qu'il me fallait. Le voilà, et en plus il est pas cher, voilà. Donc ils annoncent un câble télescopique. Alors télescopique, ça veut simplement dire bah, qu'il est enroulable comme ça, c'est à dire que tu as un petit câble comme ça et tu peux l'étendre jusqu'à 1m20, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, parce que de ma prise à mon téléphone ou mes téléphones, j'ai pas besoin de beaucoup plus de longueur. Tout ça, voilà. Donc pour l'instant, ça c'est pas mal. Ensuite, bon, vous l'aurez vu, au bout, on a évidemment toutes les connectiques. Alors, j'ai enlevé l'adaptateur ici, là. On a le Lightning, on a l'USB type C et le micro USB. Ce qui fait que, bah, voilà, déjà, ça prend pas beaucoup de place. Et ensuite, bah, ça permet d'avoir le câble un petit peu toujours avec moi. Et d'avoir surtout ces trois putain de câbles. Puisque, voilà, l'uniformité, c'est pas encore gagné. C'est le roi de la rime. Et ça permet d'avoir tout ça. Alors, il y en a qui ont dit, oui, mais alors GLG, moi, je suis charge rapide et tout. Eh ben, bonne nouvelle, le charge peut enquiller jusqu'à 100 watts. Alors, oui et non. Oui, il peut enquiller jusqu'à 100 watts parce que les câbles sont de bonne facture et sont relativement de bonne qualité. Et non, parce que on est encore en USB. On n'est pas en USB type C. Donc, on ne pourra pas sortir en USB 100 watts. Donc, il faudra se limiter un petit peu à la puissance de l'USB. Bien évidemment, je pense que c'est 30 ou 40 watts, mais je pense qu'il part sur le principe que tu vas pouvoir mettre 100 watts, ou plutôt 30 watts sur les trois câbles. 30 watts en USB type C, il faudrait que je fasse des tests, hein, mais bon, après, vous me croirez sur parole, voilà. Remarque, un iPhone, ça charge que dalle, ça charge 20 watts, 20 watts, USB type C, on va dire 30 watts, et la micro USB, tu vois, on doit être à peu près sur du 20 watts, donc l'intérêt, c'est que les câbles sont plus costauds que ce que tes appareils vont demander au device, et ça fait un produit qui est plutôt sympa, 3,88€. 4,50, 3,88, il y a plusieurs vendeurs, oui, ils sont cliqués. Alors, c'est 1,99, mais à mon avis, on facture les frais de port. Bah voilà, 4 balles. 4 balles et tout, je crois que moi, avec les frais de port, ouais, ça fait moins de 5 balles. C'est juste le produit qui est un peu idéal et qui répond vraiment à des besoins que j'avais où, oui, j'ai des gros chargeurs, oui, j'ai plein de câbles qui chargent super vite et tout, mais j'en ai marre de tous ces câbles dégueulasses qui me font un câble. Alors, à savoir que, par exemple, mon MacBook Pro, non, mon iMac, le clavier se recharge en Lightning, donc bah, j'ai besoin de cette connectique là. La souris se recharge en Lightning, les AirPods, j'en ai pas des vrais, mais j'en ai, se recharge en Lightning. Voilà, mais j'ai aussi besoin d'USB. Et voilà, c'est pour moi, c'est le petit achat d'impulsion à 5 euros que vous allez tous vouloir. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce produit là. Alors là, on est samedi, à partir de la semaine prochaine, vous aurez des vidéos tous les jours sur GLG vidéo pendant un petit moment. Les tipeurs sont au courant, parce que je vous rappelle, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, c'est 1€ par mois, et vous avez des news un peu avant tout le monde. Donc les tipeurs sont au courant, et vous, de vous découvrir un petit peu cette nouvelle série de vidéos dès la semaine prochaine, permettra de booster un petit peu la chaîne. Et après tout ça, tous les jours pendant je sais pas combien de temps, et eh ben on aura encore d'autres vidéos avec beaucoup plus de mini produits où je les enchaînerai comme ça, la queue le loup, ça me prend pas énormément de temps. C'est des produits que j'ai testé, que j'ai utilisé. Voilà, reprendre la fiche produit et vous dire que le produit il est génial. J'ai rien que comme t'es regardé comme ça, tu dis oui, en fait son truc il est génial. Voilà, allez, est-ce que toi tu veux ce produit ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Bon, si vous avez la ref, c'est que plaisir. Allez, comme toujours, pouce en l'air, t'as mis la vidéo, pouce en bas, t'as pas mis la vidéo. Encore une fois, ne soyez pas timide, même un pouce en bas, c'est bien pour la vidéo. Mettez un commentaire, c'est pas encore fait, vous abonnez, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Plein de trucs trop bien.